l'as pas? Et bonjour à tous, c'est Michio, on se retrouve dans ce nouvel épisode sur Kingdom Hearts 3. On arrive vers la fin, j'ai fait la petite phase de Gumi, mais on va se laisser ce petit combat. Je vais sûrement perdre d'ailleurs, parce que j'ai jamais essayé d'améliorer mon vaisseau d'une quelconque manière. Donc ça va sûrement être très très long. Je le laisserai peut-être pas tout. Juste une petite phase, parce que c'est quand même marrant. C'est quand même toujours plus intéressant que ce qu'on avait avant. Ça, on ne remettra jamais assez. Oh, je vais mourir, c'est sûr. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais c'est pas grave. On avance quand même. Et on arrive, ouais, bientôt à la fin. Je pense que là, il va y avoir peut-être 2 ou 3 épisodes grand max avant Remind, je veux dire, hein. pas avant la fin. On va dire avant la première fin, c'est sûr. Je peux rien faire d'autre, on est d'accord. Et puis bah voilà. Et là on va enfin découvrir. On va entendre plein de voix de combat qu'on n'a pas encore entendu. Ça va être bien. Je sais pas ce qu'il faut que je détruise exactement. Sûrement ça ou en fait ouais. Mais je m'occupe des petits trucs qui me cassent les noisettes avant. Merci. Histoire de gagner un peu de marge avant de mourir. Il a pas beaucoup de vie, hein. C'est juste j'ai tellement de trucs qui me viennent sur la gueule que je galère. Et j'ai déjà chaud. C'est fou ça. Par contre, je perds pas beaucoup de vie, j'ai l'impression de me prendre plein de dégâts, mais ça va. Non, toi. Wouhou! Petite tête là. Je peux pas y détruire la petite tête là, les petits B-Max. Deux. Non, toi non. Merci. Ok. Ça va, ça commence à être un peu moins chaud. Ah. C'est que en même temps, En même temps qu'à H3, je joue un peu aussi à Burst by Sleep pour avancer, pour récupérer les cinématiques, pour enfin commencer un peu le projet. Du moins de mon côté. Je lancerai rien du tout avant d'avoir fait toutes les bandes rythmo, je ferai pas la même erreur. C'est délicat à dire parce qu'il y avait tellement de bandes rythmo à faire sur KH3. Mais là, je veux prendre tranquillement mon temps sans avoir la pression des enregistrements qu'il y avait en même temps, de lancer la partie 4, 5, 6. Là, je fais tout d'un coup, de mon côté, même si je mets 6 mois, 10 mois, c'est pas grave, je mettrai pas autant de temps, je pense. Ah, c'est bientôt fini. Mais voilà, je fais tout de mon côté et après, je lancerai les castings. C'est bon? Putain, mais j'ai vraiment pas... Oh non! J'ai pas subi de dégâts, je disais, mais bon. Ah ouais, je me disais que c'était assez facile. Meurs, yes. Vous êtes plus chiant que les autres. Yes. Aïe. Oh. En vrai, ça va. Ça ne me fait pas trop de mal. Je m'occupe de ça. Ça aussi. Encore. Yes. Ouh! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Allez.
Aïe. Je suis concentrée. J'ai hâte d'arriver à la nécropole. Aïe. Aïe. Zéro dégâts? Attends, mais je me suis pris plein de coups dans la gueule, je comprends pas. Oh! Oh! Regardez-moi cet endroit, les gars! J'avoue, c'est beau. Voyons voir. Ouais. Je vais voir si ça marche. Let's go! C'est l'heure, les amis! La nécropole de Keyblade est là et nous attend! Quelqu'un arrive. Oh. La légende raconte que jadis les ténèbres ont recouvert le monde. Nous en savons si peu sur la guerre des Keyblades, si ce n'est que ce n'était que le début. Si la création naît des ruines, alors qu'importerait une nouvelle guerre des Keyblades? Quand les ténèbres s'abattront, serons-nous vraiment dignes de la précieuse lumière dont parle la légende? Ou alors est-ce que toute la création retournera-t-elle dans les ténèbres? Pour le savoir, nous allons recréer la légende. Mais avant tout, votre lumière brille bien trop fort pour l'heure. Il faut donc pour nous l'éteindre, pour que la vérité puisse enfin être vue. Et ce n'est qu'une fois vos espoirs anéantis, combat après combat, que la clé de Kingdom Hearts apparaîtra à nous. Et nous allons vous anéantir, n'en doutez pas. C'est écrit depuis toujours. Ils sont beaucoup trop nombreux. En avant! Préparez-vous, les amis! C'est parti! Petite phase de combat avec beaucoup, beaucoup de sang-cœur. Et des souliers aussi. Isia! Ah non. Encore. C'est très satisfaisant. J'aime beaucoup. Ça rappelle le combat contre les Shakers dans. Mince. Dans KH2. On va s'occuper des gros d'abord, non?
Ah non. Bon, d'accord. Allez. L'autre ou pas? Bon, d'accord. Ouh, pas mal. Il y en a tellement. On va peut-être faire un petit lien là. C'est quoi là chez Plasmic? Ah oui, je m'en souviens. Putain, je l'ai pas encore utilisé celui-là. Ça l'a détruit le gros ou pas? Non, mais ça l'a bien endommagé. Attends, je m'éloigne. J'aime bien sûr. Voilà, c'est fait. Ça fait mal. J'attaque qui là? C'est terminé. Arrête de bouger. Deux minutes. Yes. Non, il est encore là. Voilà. Bon, c'est bientôt fini, là. Sont les autres. On va faire le tour de la map. La. Comme ça, tous ceux qui viendront m'embêter. Ah. Ouh. Ah, lui, ça lui avait pas fait trop de mal. On va faire un petit... Allez, un classique. Meurs. Oui. Je vais te calmer. Allez. Train d'artifice. Let's go. Wow. On va la voir. C'est beau, hein? On va la voir.
Bon, allez, on y va. On y va. Bon, il les tue, toi, mais... C'est plusieurs, mais il tue quand même. Ou alors il part à la moi. C'est possible aussi. Non. T'es bon? Non, c'est pas bon? Non, attends. Je pensais qu'après le train c'était fini. Oh là là! Encore? Là, là, c'est bon. Ah. Wouh. Tout le monde est parti devant. Oh bah, personne nous a attendu, quoi. Attends, je ramasse ces petits trucs qui traînent par terre. Alors, c'est dans quoi déjà? Ah, celle-là peut-être activée tout seul, j'en train de me dire. Ah non, c'est là. Ok, c'est bon. Youi! C'est mieux. Super! Super! Voilà, on va enregistrer. J'ai gagné un ou deux niveaux dans ce... Un seul. Ok, de toute façon, je pense que ça devrait le faire. Est-ce que tout le monde va bien? Personne ne répond. Bon, allez, on y va. Mais répondez à Mickey! Vous avez posé une question! Ah. Terra! Terra! Ven! Terra, on te retrouve! Terra, dis-moi que c'est bien toi. Qu'est-ce qui te prend, à quoi? Je sais que tu n'es pas Terra. Hein? Alors libère notre ami. C'est bien lui, le 13e. Aujourd'hui, c'est le jour de votre perte.
quoi ? Avant même d'affronter les 13, chacun d'entre vous verra son cœur quitter son corps. Mais n'ayez crainte. La Keyblade sera forgée malgré tout. On va pas te laisser gagner ce combat. Personne n'a aidé. Prenez votre temps. Prends ton temps. Ven ! Ça suffit ! Voilà. Enfin, crier, ça sert à rien non plus, mais... au moins, il y a une réaction. Ils sont tous tellement nuls. Axel ! Non ! Donald, il a atomisé Terra Nord. C'est un canard qui l'a détruit. C'est pas possible. Hein ? Ressaisis-toi, Sora. On ne les a pas perdus. Ils ont toujours leur cœur en eux. Mais... il faut qu'on les protège. Ouais. Battons-nous tous les trois. Mickey, Kairi, Dingo, veillez sur les autres. Non, mettons-nous à l'abri tant que c'est possible. Il est trop tard pour ça. C'est impossible. Non. À quoi ? Ils ont disparu. Kairi,
Donald! Dingo, le roi! Disparu pour toujours! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, sans eux, je... Toute ma force venait d'eux. Ils étaient ma force. Tout seul, je ne vaux rien. On a perdu. C'est terminé. Sora, tu ne crois pas ce que tu dis. J'en suis certain. Échec et mat. Ainsi les ténèbres l'emportent, et la lumière s'éteint. Tu devrais changer de stratégie. C'est à moi de jouer, non? Hein? Ce n'est pas terminé. Attends. C'est pas du jeu, là. Je sais que je t'ai eu. Oui, tu y étais presque. Mais une partie n'a rien d'amusant si on en connaît déjà l'issue. Et la lumière est plus complexe qu'il n'y paraît. Je te l'ai déjà dit. Oh. Une partie de la lumière vient du passé. Où est-ce que je suis?
Ok. J'ai rien à faire à part avancer. C'est plus fort que toi, pas vrai? Hein? Qui est là? Trop bizarre. Je m'appelle Shiriti et tu te trouves dans le monde final. Moi, c'est Sora. C'est quoi le monde final? Il n'y a absolument rien au-delà. Tu t'es déjà aventuré ici plus d'une fois avant d'aller au palier de l'éveil. Mais j'avais laissé couler. La frontière entre sommeil et mort est ténue et il arrive quelquefois qu'on passe de l'autre côté. Quoi? La mort? Oui. La fin naturelle de ceux dont le cœur et le corps succombent en même temps. Mais certains subsistent et se retrouvent ici. Mon cœur et mon corps ont succombé? Ça veut dire... Quelque chose te retient ici. Ça refuse de te laisser partir. Ta vie ne tient qu'à un fil. Et mes amis dans tout ça? Je crains que personne ne soit arrivé avec toi. Et s'ils ne sont pas ici, soit ils sont partis pour toujours, soit ils s'accrochent encore au monde d'où tu viens. Alors j'y retourne! Wow! Tu comptes faire quoi, là? Tu ne peux pas repartir comme les autres fois, tu sais? Quoi? Je te l'ai dit, voyons. Les autres fois, tu es venu ici de ton plein gré. Mais cette fois-ci, c'est très différent. Pour redevenir toi-même et retourner dans le monde réel, tu devras entièrement te reconstituer dans ce monde dans un premier temps. Ouais. Ah! Tu veux dire que je suis en morceaux? Quoi? Mais non, je parle au sens figuré. Hein? Tu es conceptuellement en morceaux. À l'intérieur, qui sait? Mais à l'extérieur, tout va très bien. Oh, d'accord. Tu m'as fichu la frousse, là. Oh là là. Ah, d'ordinaire, seul un cœur peut rejoindre le monde final. Mais comme toi, tu as apparemment réussi à conserver une autre forme, disons. Ça signifie alors que ton corps a aussi été projeté dans ce monde quelque part. Ok, donc... Si j'arrive à retrouver mon corps, ça veut dire que je pourrais rentrer, pas vrai? Précisément. Mais il y a beaucoup de toi à trouver. Tu ne vas pas chômer. Alors, il y a pas les petites étoiles d'abord? Ah non, faut que je récupère ça. Ça doit être si. Des morceaux de moi. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Je pensais que ces mots le rendraient heureux, mais c'est la déception qui a assombri son visage. J'avais partagé tout mon savoir avec lui, toutes mes techniques. Que cherchait-il de plus? Je n'ai jamais eu la réponse. Le temps a passé et nous voici. Mais désormais, depuis que nous sommes séparés, je crois que je comprends. Il voulait la même chose que moi. Ce n'était pas seulement transmettre le savoir, c'était une communion, une connexion entre des cœurs. Faut pas que je me gourre et que je parle aux mêmes étoiles à chaque fois, donc ça je les lis. Je disais à tout le monde que nous n'étions qu'amis, mais il est entré dans ma tête, dans mon cœur. J'ai commencé à trouver ça bizarre qu'on se retrouve tous les deux. J'ai pris du recul et il n'a fait aucun pas vers moi. Je me demande comment il a interprété cela. Ce qu'il a ressenti. Quelles sont ces émotions qui m'assaillent? Elles sont trop fortes. C'est lui, je dois répondre. Je dois lui avouer ce que je ressens vraiment. Je sais vraiment pas si c'est des textes au pif ou si ça parle de personnages qu'on connaît. Enfin, attends, je crois que je suis passée à côté d'une étoile. Avais-je de l'importance? Ai-je jamais été là? Je pensais avoir trouvé ma place entourée de gens en qui j'avais confiance. Mais regardez, je suis partie et pourtant elle se retrouve comme avant. Tiens, la table est mal dressée, il y a trop de verre. Oh, ils ont accueilli un nouveau membre, c'est ça? Il n'a pas fallu longtemps. C'était ma place à la table. Ils trinquent avec les nouveaux venus, les uns après les autres. Non, ce n'était pas ma place, ça ne l'a peut-être jamais été. Triste. Sora? Oui? C'est moi, Namine. Namine? Je suis contente. Tu as réussi à rester toi-même dans ce monde. Qu'est-ce que tu fais là?
J'étais dans le cœur de Kairi, mais nous avons été frappés par de puissantes ténèbres, et je me suis réveillée ici. Et Kairi ? J'arrive à sentir son cœur. Elle se bat de toutes ses forces pour t'empêcher de disparaître. Alors la raison pour laquelle j'ai conservé mon apparence ici ? C'est parce qu'elle te préserve, oui. Va la rejoindre. J'essaie, mais... Et toi alors ? Je peux pas te laisser ici quand même. Tout va bien. Vraiment. Je suis venue de Kairi. Une fois qu'elle sera en sécurité, je retournerai auprès d'elle. Namine, je sais que je suis censée te remercier. Le cybermonde ne compte pas. Je dois te le dire en personne. Mais... pas comme ça. Roxas et toi, vous ne pouvez pas me dire que tout va bien. Je sais que vous souffrez au fond. J'ai... ressenti cette douleur à travers Roxas. Cette douleur ? C'est lui qui manque à tout le monde. Ce n'est... pas moi. C'est faux ! Et moi alors ? Kairi, Donald, Dingo et le roi ! À Roxas aussi, tu lui manques. Et je sais aussi qu'une certaine personne ne t'abandonnera pas. Sora, merci. Bien. Maintenant, je vais aller sauver Kairi. Et comme ça, tu seras aussi libéré de cet endroit. Ça te va ? Oh, attends. Hein ? En fouillant dans les souvenirs, j'ai parlé à Terra, le porteur de Keyblade que tu cherches. Sa volonté est forte, et elle le relie au royaume de la lumière. Je vais essayer de localiser cette connexion. Ça suffira peut-être à inverser la balance ? Qui sait ? Hein ? Disons que je couvre tes arrières. Cette partie de toi, ça me rappelle un peu Kairi. Merci, Namine. Oh ! C'est pas les remerciements officiels. Bien. À très vite. Sois prudent. Ok, alors. Récupérer tout cela. Il y en a encore une, normalement. Celui qui a dit que l'amour et la haine étaient les deux faces d'une même pièce est un menteur. Dès que nos regards se sont croisés, nous nous sommes écharpés, systématiquement. L'idée que nous puissions être amis est risible. Je suis enfin seule ici, et quel soulagement. Toutefois, ce soulagement n'est pas aussi grand que je le pensais. C'est étrange, il manque quelque chose. Est-ce comme ça que ça marche ? Ai-je continué à revenir me battre juste pour qu'on passe du temps ensemble ? Ce n'est peut-être pas aussi simple que l'amour et la haine. Le cœur est quelque chose de complexe. Je me demande s'il se sent aussi seul lui aussi. Après tout, il faut être deux pour se quereller. Oui. Salut. Bonjour. Oh, cool! Tu peux parler? Tu as une forme humaine. Oh. Comment as-tu conservé ton apparence? Es-tu spécial? J'avoue que j'ai pas tout compris moi-même. Comme nous tous. Alors, t'es le cœur de qui? De plus personne. Ils m'ont ôté mon nom. Tout ce que j'étais. C'est impossible! Ils n'ont pas pu t'ôter ton cœur quand même! Seulement parce qu'il se languit d'un autre. Hein? Quelqu'un va venir te chercher? Rien n'est moins sûr. Il a été transformé et il est méconnaissable. Son cœur a été remplacé par celui d'un autre. Mais si jamais il redevenait lui-même un jour, il serait bouleversé par mon absence. Alors j'ai choisi d'attendre ici, là où il pourrait me trouver. Oh. Bien. Il faut toujours y croire.
Y croire? Oh, tu veux dire croire du fond du cœur qu'il va revenir, sans aucune preuve? Exactement, crois-y. Je pensais que tout était fini pour moi, mais un bon ami à moi m'a un peu secoué et m'a dit ça. Tu ne crois pas ce que tu dis. Mais, qui est-ce qui t'a fait ça? Les sans-cœurs volent des cœurs? Alors, un simili? Quelqu'un. Vraiment? Bien. J'aimerais pouvoir t'aider. Mais ma situation n'est pas vraiment mieux. Tu dois t'atteler aux tâches qui t'incombent d'abord. Aux tâches qui m'incombent? Il y en a tellement. Raison de plus pour t'y atteler dans ce cas. Ouais, t'as raison. J'aimerais juste savoir quoi faire. Ici, tu as la lisière. Et pourtant, tu t'accroches à qui tu es. Ton sens du devoir est puissant, c'est certain. C'est grâce à lui que tu trouveras la voie. Merci. Je suis content qu'on se soit rencontrés. Tu m'as remonté le moral. J'espère pour toi que tu retrouveras ton ami bientôt. Merci. Moi aussi. Oh, et si je le vois, je lui dirai que tu es ici. Comment il s'appelle ? Ça reste entre nous. Putain, mais à croire qu'elle nous a vus, quoi. Pourquoi elle lui donne un secret alors qu'il n'y a personne? Pourquoi elle lui chuchote à l'oreille alors qu'il n'y a personne? Bon, j'ai pas besoin de parler aux autres. Parce que de toute façon, il n'y en avait que deux qui nous parlaient véritablement. Donc on va avancer. Et c'est là que ça va être drôle. Allez. Quel drôle d'endroit. Merci. Merci. Oups là. Là-bas. Ils sont vraiment collés. Je dois me reconstituer. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y en a encore un, deux. Ok, ensuite. On a un ici. Est-ce qu'il y en a d'autres collés au mur? Non. On va essayer de rattraper ces deux-là. Ah, je voulais pas faire ça. Pas tout de suite, du moins. Bon, bah écoute. Ah. Encore? Non. C'est bon. Ensuite, par là. Mais tu peux pas te coller au mur, gars? Bon, ok.
Merci. Voilà. Next. Merci. Ok. C'est laborieux, mais c'est marrant. Il en manque un. Ensuite. J'ai peur de tomber. Je sais pas ce qui se passe si je tombe. Voilà. Non. Calme-toi, calme-toi. C'est dangereux. Waouh. 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 J'y suis presque. Ouais. Bon allez, on va... Ah ! Ah ! Je vais mourir. Qu'est-ce qui se passe si je tombe ? Ah, ça fait peur. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Ok, ça va. Ok. Ouh, il y en a plein là-bas qui m'attendent. Je crois que si je les attrape toutes, j'ai droit à un truc, mais bon. Est-ce que vraiment j'ai envie? Allez, on y va. Oh. Hein ? Oh, oh, oh. Je vois que tu les as tous trouvés. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Oh, sympa. Pas quoi ? Je te rends un grand service, là, tu sais. Alors n'exagère pas. Dis, Chiriti, tu as conservé ton apparence, non? Tu voudrais que je t'aide à trouver les morceaux de toi? Oh, pour moi, c'est différent. Alors, dans ce cas, tu attends que quelqu'un vienne te chercher? Si on veut. Eh bien, dis-moi qui, et j'irai le chercher. Alors?
Non, ça va aller. Il a oublié le passé de toute façon. D'ailleurs, je suis sûre qu'il est plus heureux avec ses nouveaux amis. Mais j'attendrai. Il viendra ici un jour. D'accord. Je repasserai te voir. Quoi ? Toi et moi, on est amis maintenant. Vraiment ? Ça m'a manqué d'avoir des amis. Alors, à très bientôt. Et merci. Hein ? Tu pourrais pas me dire comment on sauvait les autres aussi ? Sérieusement ? Tu es un porteur de Keyblade ou tu ne l'es pas ? On t'a pas appris à restaurer le cœur de quelqu'un une fois qu'il a été perdu ? À restaurer un cœur ? Est-ce que c'est la même chose que le pouvoir de l'éveil ? Je ne suis pas sûre, mais tu devrais essayer. Non. Ça va prendre tout mon cœur. Allez! Cherche la lumière dans les ténèbres. Que ton cœur soit la clé qui te guide. Sora, tu ne crois pas ce que tu dis. J'en suis certain. C'est bug ou c'est moi ? Riku ! Riku ! Réponds-moi ! Je sais pas de combien de temps ça c'est va me prendre. C'est le monde d'Hercule. Je vais essayer de récupérer tous Riku les cœurs. Riku est ici. Et après, je m'arrêterai. Hmm.
Il n'y a personne ici. Si, moi je suis ici. Jiminy, tu vas bien? Je ne dirais pas que je vais parfaitement bien, mais qu'est-ce qu'on attend enfin? Il faut qu'on retrouve les autres. Ouais. Les âtres. Alors, on va retrouver les autres, oui. On va quand même enregistrer, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que j'ai besoin de... Non, on s'en fout. C'est mieux comme ça. Ils sont tellement forts. À plus. Vite, Sora. Il ne faut pas le laisser s'enfuir. Attends, je vais quand même augmenter d'un niveau, histoire de dur, pour le principe, quoi. Menu crétin, on doit pourchasser le chef. Adieu. Tiens. On ne les aura jamais tous. Laisse-les et continue. Mais laisse-moi tranquille. Le bas si je veux. C'est terminé. Ça va tellement vite. Juste un. Un niveau, je veux dire. T'inquiète, il m'attend de toute façon. Il attend que ça, que je vienne. À plus. Oublie le menu fretin. On doit pourchasser le chef. Ah, arrête. C'est terminé. 266. Arrière. On ne les aura jamais tous. Laisse-les et continue. Non, j'ai presque fini. Adieu. Vite, Sora. Il ne faut pas le laisser s'enfuir. Voilà. Ouais, j'y vais. Oublie le menu fretin, on doit pourchasser le chef. T'inquiète. Est-ce que ça lui fait quelque chose? Allez! Allez! Merci. Plus vite! On fonce! Ok. Adieu!
pas eu le temps. C'est terminé. Voilà. Oh. Hé, attends. Il n'y a pas de quoi s'en faire, Sora. Il va retourner à l'endroit où il a disparu, comme tu l'as fait. On devrait plutôt secourir les autres à présent. D'accord. Ce vaurien a dû s'enfuir par une de ces flaques obscures au sol. Où est-ce qu'elle mène ? C'est sûrement des portails qui mènent vers d'autres mondes. Bon, c'est peut-être là qu'on trouvera les autres. Si on se dépêche. Ok, on va d'abord en celui-là. C'est moi. Ah, il m'énerve à faire ça. Rend ouf. Ah. C'est terminé. Non mais je veux pas m'occuper d'eux. Je veux faire ça en premier. S'il te plaît. Faudes. Merci. A plus. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, yes. Reste ici. Essayons un autre portail, ceux enveloppés de ténèbres. Dingo. Non. Excuse-moi. Je voulais vraiment pas te faire de mal. Oui. Yes. You. Là. Ouais, il a pas le temps de se remettre là. Il a pas compris ce qui lui est arrivé. Ça suffit. On devrait fouiller chaque portail contrôlé par les ténèbres. C'est moi encore. Arrête de me brûler les culs.
Ah, Mimrof. J'ai rien de ce qui se passe. Je vois rien. Ah, ça m'a donné la gerbe. Autant les détruire maintenant que je les ai bien. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais c'est pas possible là! Cassez-vous! Brasier! Voilà, t'es où toi? Ah, il fallait que je me les fasse autant quoi qu'il arrive. Okay. D'accord. Voilà! Chaque portail contrôlé par les ténèbres. Ouais, est-ce que deux. Personne. Merde, j'ai visé la mauvaise. Chaque portail contrôlé par les ténèbres. Oh là là, je vais galérer à le trouver à chaque fois. Je sais pas lequel prendre. Il est où? Il est où? Il est là-bas. Wesh. Il pleut genre. C'est quoi ça? Hein? Hein? Eh? Ça m'a quitté mon appli, c'est trop bizarre. Ok. Non. Putain, je suis perdue là, je sais plus quoi faire. On va faire ça.
s'approcher de l'autre. Putain, est-ce que je le touche ? Pas mal. Il est où ? Merde, il est trop loin. Bon, alors, est-ce que ça m'a servi à quelque chose, concrètement ? Pas grand chose, hein. C'est terminé. Merde. Allez, disparaît pas. Yes. Hé, arrête. C'est le dernier. Il doit se cacher là. Pour Axel en plus. Adieu. Oh non, j'ai pas visé, trop nul. Il est où ? Eh bien, Sora, nous avons visité tous les mondes que nous connaissons. Mais il en manque un. Où est le cœur de Kairi ? Oh, j'aimerais le savoir. Toi ! Après toutes ces pérégrinations dans les mondes endormis, tu n'as toujours rien appris. Quoi ? Rêve après rêve. Tu étais à deux doigts de sombrer dans l'obscurité du sommeil. Et voilà que tu recommences. Oh. La liche que tu affrontes n'est pas son cœur comme les autres. Si elle existe, c'est pour plonger les cœurs dans les profondeurs des ténèbres. En la pourchassant, tu ne fais que condamner ton cœur aux mêmes abysses qu'elle. Tu te trompes. Mon cœur est bien plus fort. Quel est donc le pouvoir de l'éveil, à ton avis ? Il sert à traverser des cœurs pour rejoindre des mondes. Et pas à traverser des mondes pour rejoindre des cœurs. Le prix à payer est bien élevé pour manier un tel pouvoir de manière irresponsable. Et alors ? Tu te soucies de moi, maintenant ? Non. On ne peut plus te sauver à présent. Ah !
tu as payé le prix. Et il gît maintenant au fin fond des abysses. Attends! Oh! Sora! Oh. Oh. Mais c'est vrai! C'est le seul endroit où on n'a pas encore cherché! Allons-y! Sora. Kairi! Oh, je t'ai enfin trouvé! Tu vois? J'étais certaine que tu y arriverais. La lumière dans les ténèbres, c'était toi! C'est toi qui m'as empêché de disparaître. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est y croire. Je me sens fort à tes côtés, Kairi. Les autres sont ici. Viens. Je te l'avais dit, Sora, que je te protégerai. Oh. Oui. Oh. Oh. Ça va aller? Ouais. Merci, Kairi. Oh. Ça a vraiment marché. Évidemment. Maintenant, montre-nous le chemin. D'accord. Bon. Suivons-les. On va aller enregistrer. Et on va s'arrêter là. On a fait un bon épisode d'une heure vingt. C'est plutôt pas mal. Et voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve dans le prochain. À bientôt.